Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte du jeu Avatar Génération. À ma grande surprise, ma très grande surprise, le jeu est en français. Ben, let's go, on va voir ce que le jeu propose. Bon, graphiquement, on n'est pas sur du Azure Geyser, du Honkai Star Rail ou encore du Black Clover Mobile. Mais ça reste jouable. Et let's go, hein. Bon, 23 ans. Let's go. Continuer. Ah, par contre, ils ont pas pris les voix japonaises, c'est dommage. Même les voix françaises sont meilleures que les voix anglaises, américaines. Enfin, bref. J'ai mis juste un peu plus de son. Let's go. On va voir un peu ce que donne ce RPG. Ouais, graphiquement. Let's go. Ok, il y a un délire de barre de vie et tout. Ok. Bon, pour le moment, ça reste du très basique comme gameplay, hein. Là, c'est les graphismes, c'est vraiment les graphismes qui posent problème, je trouve. Et même au niveau des visages, on dirait des poupées un peu. Des figurines, des poupées. Ah oui, d'accord, maintenir pour ok. Pour voir un peu ce que la compétence fait. Les effets de la compétence et combien de dégâts elle fait. Moi. Compétence ultime. J'aurais dû mieux travailler les effets et les graphismes, hein, vraiment. Ouais. Ok. Vraiment, c'est un jeu au okay, hein. Graphiquement, en termes de gameplay et tout, c'est du okay, tiens. Le gameplay, par contre, je kiffe plutôt assez bien ce type de gameplay. Du coup, pour moi, le gameplay, c'est du 8, 9 sur 10 là. Simple à comprendre. Ça demande pas 15 000 trucs. Ça demande pas 15 000. Ça demande pas une connaissance super affûtée. Ça va tranquille. Ça, c'est les gemmes pour invoquer, je suppose. Oui, ouais, c'est quand il découvre Hang. Ok. Ils auraient dû au moins refaire les dessins des persos là. Des artworks qui reprennent pas des trucs, enfin qui reprennent pas des screens et qui les détruisent pas d'une façon aussi bon, bref. Ok, du coup ça c'est la composition d'équipe. Let's go. Ok. Combo.
En fait, graphiquement, comme ça, de loin, c'est plus beau que quand c'est rapproché, je trouve. Ok. Ouais. Ok. En fait, on a tellement joué à des jeux largement plus beaux graphiquement, même si c'était des licences largement moins connues, que maintenant on veut des jeux quasiment similaires à ce qu'on a pu tester auparavant, que ce soit Black Clover, que ce soit des jeux chinois, que ce soit des jeux coréens ou autres. Ils nous proposent ça comme jeu en 2023. On va dire, bon, le jeu il a été annoncé en 2022, du coup on va dire 2022, mais quand même, ça reste quand même l'année 2022. Ok. Faudra jouer Hang. Genre même là, la mer, c'est juste un gif, c'est... J'allais dire un gif, mais non, c'est juste une image. Une image avec... Ouais, c'est ça. C'est dommage. J'ai l'impression que vraiment, la passion des développeurs, enfin, chez nous, du coup en Europe et en Amérique, elle se détériore de plus en plus. Et ce que je veux dire par là, c'est que ils ne développent plus par passion, ils ne développent que pour l'argent, vraiment que pour l'argent. On le voit à l'heure actuelle avec Début Légende, hein. On l'a vu auparavant avec Sensei Awakening. Une attaque de zone. Ah, j'espère que c'est pas les graphismes au max là. Bon, autre point positif, c'est que le jeu pour le moment n'a pas de bug, de crash, de freeze ou autre. Ok. Que ça, c'est le passif. Ouais. Mazuko qui crève. Ok. Ok. Bon. Et... On a toujours pas terminé les tutos là. C'est un peu long. Est-ce qu'on va pouvoir invoquer maintenant? Héros? J'espère que c'est pas un jeu de collection et plutôt un jeu de. Enfin, j'espère que c'est pas un jeu où il faudra juste débloquer les persos. J'espère vraiment qu'on pourra invoquer sur des unités. Hein. Ok, c'est bon, on a terminé. Du coup, le tuto dure... Ben, on est sur du 8 minutes. On se direct. Le jeu, il a fait 5 000 préinscriptions? Ok. Bon, j'ai dû redémarrer le jeu, malheureusement. Ouais, malheureusement, j'ai eu un petit bug. On va juste enlever ça. Ok, let's go. Bon.
Moi, le jeu, il est en français. On va pas cracher sur ça. Ok, bon, ça, on fera ça plus tard. Activité, succès, invocation. Ok. Bon, on commence avec une multi. Deux multi. Ok. On va voir un peu les allocations. Oh, par contre, ça, c'est stylé. Ok. Ok, bon. Où est-ce qu'il faut invoquer? Le restant. Ok, bon. Ok, 20 multi. Ah, c'est violent. Let's go, on va invoquer sur elle. J'ai un petit bug. Ah, oh, ok. Ça, l'animation entre le truc. Ah, ok. Bon, je pense que vu que l'animation est dégueulasse, j'ai pas drop. Ok, ouais. Ok. Bah là, il m'en reste 5. Y a pas tout drop. Tôt. Ok, y a pas tout drop en multi. Et les items et les persos sont mélangés. Ok, bon, ça c'est un point négatif. Il y a des petits bugs, hein, il y a des petits bugs. Ok, du coup, ok. Je pensais que les gemmes d'invocation, ça allait être reconverti en perso. Enfin, en ticket d'invocation. Du coup, je me suis dit, vas-y, pas de problème. Mais en fait, non. C'est deux monnaies différentes. Ok. Bon, c'est encore deux. Après, on va basculer sur l'invocation, sur la multi-invocation. Je pense que là, la coloration, elle change de relâché vers le bas. Pense que, ouais, normalement, ça devrait changer. Bon, il nous en reste plus qu'une. Ok. Ok. Let's go. Ah oui. Bon départ. Ben, let's go. Hein. On n'a pas le choix. Ok. Pas ouf, hein. Quoi? Quoi?
Ah, ok, l'animation qui garantit en fait le truc, c'est le coucher du soleil. Après, j'ai vu que j'ai skip, j'ai pas vu ce qu'il y avait après. Ben, let's go. Voilà, on peut skip. Ok, là aussi on peut skip, je pense. Ouais. Du coup, c'est bien ça. L'animation qui garantit, c'est là le coucher de soleil. Bon, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On est quoi? On est à 20 minutes. Ben, let's go. Ciao et à la prochaine. Peace.